Hey, salut tout le monde, c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Lego Fortnite pour vous présenter ma toute première construction de base dans ce monde merveilleux de trésors de tropiques. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter, de partager cette vidéo et puis la personne qui s'abonne aussi. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit code créateur, Axel Éponge, tout en majuscule. Bon visionnage à toutes et à tous. Premièrement, je vais déposer mon totem juste ici. Ça va être parfait. Axel A comme Axel Éponge. J'aime bien la couleur jaune. Allez, on choisit au hasard. C'est bon. Maintenant, je vais mettre feu de camp pour réchauffer les PNJ qui vont arriver. C'est un point de repérage aussi, hein. En général, je mets deux. Voilà, ça me plaît bien, deux feux de camp. Est-ce que je peux améliorer mon totem déjà? Ouais, je peux améliorer pour niveau 2. C'est fait. Oh, maison Tudor. Ok, bah, est-ce que j'ai besoin de beaucoup de choses pour le construire? Du coup, il faut du bois, bois normal, granit et acajou. Oh, j'ai des amis maintenant. Les bananes, ils sont venus se réchauffer dans ma base. Enfin, du moins, ma future base. Ça y est, j'ai tous les matériaux nécessaires pour construire la maison Tudor. Cet endroit est parfait. Voilà, hop, déposé. Ça y est, je suis plus qu'à la moitié de la construction. Ça donne ça à peu près. Ah, je pense que je n'ai pas posé comme je veux, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça a l'air stylé, hein? Enfin, j'ai terminé cette belle maison. Elle est grande, hein? Vraiment, elle est grande. On va faire une petite présentation. Rez-de-chaussée. Voilà, rez-de-chaussée, c'est comme ça. Oh, c'est magnifique! Mais bon, je construis la construction de base, hein? J'essaye pas de faire un truc exceptionnel. Mais déjà, c'est beau. Franchement, c'est beau. On attaque à l'étage. Bon, l'étage, voilà. C'est à peu près comme au rez-de-chaussée. Mais franchement, le toit, je trouve que c'est beaucoup plus amélioré qu'avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je trouve aussi que la façon de construire, on galère moins qu'avant. C'est génial. Donc, on va regarder autour de la maison. Oh là là, c'est beau! C'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et bien sûr, je vais mettre de la lumière autour. Mais comme je suis pauvre pour l'instant, bah, je suis obligé de mettre des petites torches. Hein. Et voilà, c'est bon. Il me semble que je fais le tour pour les torches. Parce que ça brille plus que tout à l'heure. Ah oui, là oui. Hein. Ça brille beaucoup plus que tout à l'heure en mode nuit. Alors maintenant, je vais décorer la maison comme ça. Plein de PNJ vont habiter à l'intérieur. Et ce sera génial. Bon, je vais commencer au rez-de-chaussée. Non, plutôt à l'étage. Je veux qu'ils dorment ici, à l'étage. Un petit coin ici, ce serait cool, non? Ouais, je pense. Allez, deux lits dans chaque coin. Ça va être bien comme ça. Alors, quel genre de lit je vais mettre? Alors, je vais mettre un lit simple, crudité. Ici, il y a de la place. Ouais, il y a de la place. Hop, il faut bien que je regarde pour ne pas trop mettre loin. Ah, mais c'est super! Oh, là. Allez, ouf, là, c'est bon. Ah, c'est super, là, il y a de l'espace là pour dormir en plus. En attendant, est-ce que je peux recruter un PNJ? Hey, salut toi. Brice, yo, chez moi, on m'appelle le surfeur pro. Mais par ici, vous pouvez m'appeler Brice. Ah, c'est Brice de Nice.
C'est le Brisbane Nice. J'ai mal au bras après toute cette brasse. Ah oui, c'est la blague de Brisbane Nice. Je pense m'arrêter dans votre village pour la nuit. Bah, tu peux rester. Attends, tu peux rester. Attends, est-ce que tu peux rester? Venez. Oui, je peux le recruter. Je peux le recruter, c'est bon, ça y est, il fait partie de la famille. Bienvenue à toi, Brice. Tu peux les surfer autant que tu veux, mais tu peux me défendre aussi. Et défendre le village, bien sûr. Je peux enfin déposer les deux lits. Hop, bien comme il faut. Comme ça. Voilà, un déposé, deuxième, pour finir. Je suis pas trop loin. Attendez, je regarde un petit peu. Donne-moi 2 secondes. Oh, faut que je regarde comme ça pour être sûr. Là, c'est super. On est attaqué. La base est attaquée. Allez. Wow. On n'est que deux là. On n'est que deux. Ouh là 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 là. Tu me feras pas mal. Wouah! Wow. Si, il me fait mal justement. Et ça, c'est pas bon. Ah, il attaque 2 fois, il faut que je regarde. Wow! Et j'ai pas un truc à distance, moi. 1, 2. J'attaque 1 fois et je dégage. Je dégage. Non, tu me lances pas de la pierre. Tu me lances pas de la pierre. Oh là là. On est attaqué. Il est où mon allié? Brice, j'ai besoin de toi. Un de moi, c'est bon. Ouh. Un de moi, ça fait plaisir. Brice, t'es où? Reviens, Brice. T'es mort. Ah. Attends, attendez, attends. Oh là 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 là. Je vais pas mourir. Je ne veux pas mourir. Brice, t'es où? Il est devant le feu là-bas. Il faut que tu m'aides. Aide-moi, Brice, s'il te plaît. C'est chaud là. C'est chaud pour moi. Arrête de te réchauffer. Ah, bah, ils sont nombreux en plus. Ah! J'ai de l'aide, enfin. C'est super. Allez, amusez-vous. Ah, j'ai un rescousse là. Ah, lui, il est chaud, lui. Il est chaud. Moi, je le veux dans mon équipe. Il est trop chaud, lui. Wouah, comment il a détruit! Comment il a défoncé, quoi. Est-ce que tu peux venir dans mon équipe, s'il te plaît? S'il te plaît. Vas-y, viens, viens. Vas-y, viens dormir et viens habiter en même temps. Ah non, tu ne peux pas habiter. Tu t'appelles comment déjà? Tu t'appelles Colline ou Colin. Ok, bah, je vais améliorer le village. Hein. Après un petit malentendu, bah, allez, je vais construire le petit bâtiment classique à l'ancienne. Alors, je vais mettre où le petit bâtiment, je vais les mettre. Hein. Comme je dis à l'ancienne, ben c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Regardez, un petit bois, enfin, une petite cabane en bois. Ça y est, c'est bon, cabane en double, c'est terminé. Maintenant, je vais mettre les métiers dedans. J'ai commencé par l'établi, hein. C'est basique. C'est la base. Ensuite, Siri, c'est aussi la base. Voilà. Et enfin, le métier le plus important, c'est la grille. Hop, je vais déposer juste là entre les deux métiers et c'est super. Tout rentre. J'ai ce qu'il faut maintenant. Il me faut en premier temps des planches pour faire des coffres. Hé, Colin, j'ai amélioré mon village. Est-ce que tu peux venir habiter, oui, c'est bon. Oh là 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 là, je suis content, ça fait 2 personnages en plus dans mon village. Allez, viens, Colin, tu vas être mon fidèle garde du corps. On va aller explorer un petit peu la grotte. Oh, un coffre, voyons voir ce qu'il y a dedans. Minerai d'or, c'est bien. Banane rôtie, par contre, c'est bien aussi. est-ce que je peux récupérer normalement, oui, le coffre.
Voilà, c'est super. Oh, il y a, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc que... On va voir ça, on va découvrir ça tout de suite. C'est émeraude brute. D'accord. Bah, je vais en prendre. Hein. Waouh, c'est magnifique. Regarde-moi ces lumières bleues. C'est joli. En fait, ça, je pense que c'est l'humidité qui est transformée en glace. Avec le froid, donc du coup, ça fait lumière bleue. Enfin, c'est qu'une hypothèse, hein, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est joli! Non, non, pas eux, pas eux, pas eux! Allez, Brice! Non, pas Brice, mais... Wow, ah, il est fort, lui, hein, il est fort. J'ai bien fait de le prendre. Franchement, il est résistant. Il est super résistant. Regardez comment il est musclé! Mon colin, j'ai fini et exploré la grotte. Maintenant, je vais améliorer mon totem niveau 4. Tout le monde est content. Et voilà, mes amis. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de liker cette vidéo, de commenter, de partager. Et en plus de s'abonner, ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!